Bonjour à tous, donc ce mois-ci je vais parler de la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande au mois de septembre, ce n'est pas que les Bleus qui ont gagné contre les All Blacks, mais aussi le pic laitier dans ce pays-là. La production de lait en Nouvelle-Zélande, c'est une production extrêmement saisonnière. Sur les 4 mois de septembre à décembre, il y a 50% de la production qui se fait. C'est un point hyper important pour tout ce qui va être fabrication. Et donc, c'est le moment où on va regarder exactement ce qui se passe en termes de production en Nouvelle-Zélande. On regarde la pousse de l'herbe, puisque tout l'élevage est en pâturage là-bas. Et pour l'instant, les premiers indicateurs qu'on a, c'est que la pousse de l'herbe, elle est dans la moyenne quinquennale, ni plus ni moins. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les deux îles, alors encore une fois, on parle de la Nouvelle-Zélande, c'est un grand pays. Entre l'île du Nord et l'île du Sud, on a à peu près 1700 km et ce sont des environnements laitiers complètement différents. L'île du Nord, pour l'instant, est plutôt avec une production en hausse. C'est l'île qui produit le plus. Et l'île du Sud a une légère baisse de production. Dans l'ensemble, sur les derniers mois, c'est-à-dire jusqu'à juillet, de juin à juillet, on est plutôt sur une légère baisse. Mais je vous ai dit, c'est le pic laitier qui va être important. Et on prévoit une très légère hausse de la production laitière en Nouvelle-Zélande. L'impact sur les marchés et sur les prix, bah pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que en termes de poudre grasse, la Nouvelle-Zélande, elle a des stocks. On voit que Fonterra essaye d'augmenter les volumes qu'elle va mettre sur le marché parce que la Chine est un peu moins présente aux achats. Mais dans un autre temps, on a l'Algérie qui a acheté le double depuis le début de l'année que ce qu'elle avait acheté en 2022. L'un dans l'autre, ça se compense un peu pour l'instant. Et suite au prochain épisode pour l'évolution des prix. Ça, c'était pour la poudre grasse. Quand on regarde sur la poudre de lait écrémé et beurre, les exports sont légèrement en hausse et on peut espérer qu'avec un retour de la demande d'ici la fin de l'année, ça puisse aider nos prix en France à en tout cas stopper l'hémorragie de l'été et donc remonter un petit peu. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article de tendance de ce mois-ci.